tous, c'est Adius, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo tennis, évidemment. Tennis, c'est la suite, les gars, c'est la suite. Je suis désolé, je n'ai pas pu parler lors de ces deux dernières vidéos parce que j'arrive à chaque fois pile à l'heure, on va dire ça comme ça. Et effectivement, donc voilà, écoutez, après le match, je sais pas pourquoi j'ai pas parlé. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait mes deux premiers matchs, donc mes deux premiers tours dans mon club. Donc voilà, on est voilà derrière, il y a les couverts. Hein. Bon là, c'est l'endroit où personne ne va jamais. Très clairement, là je suis à un endroit, je n'y suis jamais venu pour vous dire. Donc voilà, ça fait 11 ans que je suis dans ce club ici. Allez, j'y suis allé une fois. Écoutez, aujourd'hui donc au programme, tout simplement mon match, mon troisième tour à 15-3 donc. 15-3, il vient de régner, je crois que c'est ça. Je sais pas trop où c'est, mais je crois que c'est par là parce que j'en ai plusieurs de ce club là. Écoutez, j'ai regardé un peu son palmarès. Disons qu'il n'y a pas grand chose à regarder quoi. Il a fait 0 match en 2022-2023, 0 match en 2021-2022. Voilà, ça fait un an qu'il a, ça fait 2 ans qu'il a pas fait de match. Je vais être son premier. Alors, il se peut que effectivement, donc il a été 15-1, il a été 15-2, et maintenant il est 15-3. Donc il se peut que possibilité numéro 1, il ait continué de jouer. Dans ce cas-là, vu qu'il a pas fait de match depuis 2 ans, il est descendu. Mais il a peut-être un jeu 2-3-6, 2-4-6, c'est un 2005, donc il a 2 ans de plus que moi. Potentiellement c'est ça. Deuxième possibilité, il a arrêté le tennis pendant un moment, il vient juste de reprendre et il est encore peut-être un peu dans les choux, donc faut en profiter. Donc voilà, écoutez, il y a ces deux possibilités là et puis on verra bien comment il joue, hein. Je vais vite savoir. Écoutez, on va voir comment se passe le troisième match et si je gagne, je rejoue dans l'après-midi et ensuite je suis dans le tableau final. Voilà, donc là je joue potentiellement, donc si je gagne, en tout cas le gagnant de mon match joue contre le gagnant du match d'à côté, on joue en même temps, je joue potentiellement contre Sam que j'avais déjà battu à Metz, c'était cette vidéo là, donc voilà, potentiellement je peux le jouer, ou un 15-3, un 15-4, un autre 15-4, donc là, entre guillemets, je fais le plusieurs ce matin, si je gagne, je joue Sam ou un 15-4, donc c'est censé être moins costaud. Mais bon, ça joue très bien quand même, il y a de quoi se faire plaisir. Donc écoutez, je vous laisse découvrir mon club en petite vidéo, donc voilà, et à tout à l'heure pour le match.
Thank you.